Monopoly de Bigamy, Doudoun Ergumi, un truc comme ça. Et s'il a écrit un petit mot, c'est la nouveauté, avant il n'y en avait pas. Et moi j'aime trop les doudounes, c'est parfait pour le printemps. Il y avait deux couleurs, il y avait une couleur bleu foncé et une couleur kaki. Et moi comme j'aime trop la couleur kaki en ce moment, c'est super à la mode, j'ai décidé de prendre celle-là. Oh bah non, à l'intérieur il y a quelque chose dont... Ah oui, c'est un coussin fêteur. Ça marche. C'est pour la mettre à l'intérieur quand vous la portez plus. Voilà. Et donc là, je vais l'essayer. Ici, il y a le symbole Bigamy aussi, il est toujours là. Et en plus, même sur les doudounes, il y a des trous. Et ouais, te prends pas au sérieux, la vie est trop courte pour ça. Il n'y a pas mieux que Bigamy. Merci. Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, clique sur le bouton rouge juste en bas de cette vidéo. Ça me ferait vraiment hyper plaisir. Et on commence. Donc aujourd'hui, ça va être le challenge de faire du maquillage avec des aliments. C'est pour ça qu'ici, il y a des différentes sortes d'aliments pour le rouge à lèvres, les paupières, etc. Bon, c'est vrai que l'idée est un peu bête, mais pourquoi pas essayer? Mais pourquoi pas, c'est des produits naturels, non? Et s'il vous plaît, ne me jugez pas dans les commentaires parce que je n'ai jamais fait de maquillage et je ne sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est les paupières, ça. Je fais pas... C'est pas comme si je faisais du maquillage tous les jours. Hein, donc, s'il vous plaît, m'accusez pas. Après, c'est une note à mal dit ça. Ça s'appelle pas comme ça. Voilà. Hein. Je vais juste mettre un bandeau pour les yeux pour que ça ne me gêne pas. Sinon, je sais ce qui va se passer. Hein. Ça va être du gros n'importe quoi. Voilà, bien enlever toutes les petites mèches. Donc pour la base de mon maquillage, j'aurai besoin de mayonnaise. Et je déteste ça déjà, la mayonnaise pour le coup. Et là, ce sera sur mon visage. Ah, ça doit être tout bizarre. Et ça doit être froid aussi. Hein. Bon bah c'est parti. Je vais ouvrir et je crois que je vais prendre le petit pinceau. Voilà, oula. Mais je plains encore plus les pinceaux que mon visage. Parce que les pauvres petits pinceaux, ils sont tellement mignons. Bon, je trouve que tout est mignon. Oh non, je veux pas mettre ça sur mon visage. Donc voilà, j'ai fait la base et c'est vraiment... Oh, c'est vraiment bizarre de sentir la mayonnaise sur la peau comme ça. Voilà, même mon bandeau il vient de tomber. En plus, ça sent fort le vinaigre. Pour les joues, je vais utiliser du jus de betterave. Ça doit être moins bizarre que la mayonnaise. Bon, je vais en mettre un petit peu comme ça. Tu vois, je suis pas la pro du maquillage. Hein. Donc ensuite, on va faire la poudre. Et pour ça, je vais utiliser de la maïzena. Voilà. Donc c'est parti. Bon. On va en mettre comme ça, là. Voilà. Blanc. Qu'est-ce que ça fait? Donc comme ça s'appliquait beaucoup, enfin ça s'appliquait vraiment mal, j'ai décidé d'essayer avec de la farine. Je vais en mettre un petit peu. La farine est un peu moins blanche, mais voilà, c'est normal après. J'ai l'impression qu'elle va s'appliquer mieux. Jamais ça, ne faites jamais un maquillage avec des aliments, ça me donne envie d'éternuer. Ça va, ça va, ça va.
là, je vais faire le contour du nez, etc. Donc pour ça, j'utilise du café. Oui, c'est du café. Tu vois, c'est le truc le moins dégoûtant en fait à mettre sur le visage parce qu'ils sont trop bons. Donc je les ramollis hein, pour que ça devienne comme de la poudre en fait. Bon, c'est parti, j'en mets un peu sur le nez, comme ça. Ici, là, là, là. Pour les paupières, je vais utiliser du curcuma moulu. Voilà. C'est parti. En fait, j'ai pris du curcuma moulu parce que c'était tout orangé. C'était mignon. Alors, c'est pas mal. Que je préfère le plus. Il y en a un peu moins par ici donc. Ah, c'est trop mignon, je trouve. Bon, bah on continue. Maintenant, on va faire le rouge à lèvres, oui, avec du ketchup. Je crois que ce ketchup, en fait, à la place de le mettre sur mes lèvres, je vais le manger. Je vais faire comme ça. Bon, c'est parti, on continue. Là, je suis déjà tout poivrée. Je sais pas. Confeuté, cacaoté, bref. C'est parti, on va mettre le rouge à lèvres. Oui, le rouge à lèvres alimentaire. Ça donne envie de les manger. Ah, ça donne trop envie de manger. Je sens le goût un peu salé. Bon, je vais essayer de tenir jusqu'à la fin sans le manger. Je sens que ça va être dur parce que j'aime trop le ketchup. Donc, maintenant, je vais rajouter un peu de brillant avec les paillettes alimentaires. J'en mets là. Non, ça, c'est le meilleur. Regardez, c'est rose. Ah, c'est trop beau, c'est le plus beau je trouve. Donc voilà ce que ça donne, ce maquillage un peu bête. Mais c'est bien sûr mieux d'acheter un vrai maquillage, mais... Quand même, pour un maquillage avec des aliments, c'est pas mal quand même, surtout les paillettes sur les joues. J'aime trop, ça donne un petit relief trop mignon sur les joues roses. Et là, j'ai jamais vu des fards à paupières jaunes, on dirait un ananas, ou un ananas on dit, je sais pas, bref. Voilà, c'est trop mignon. Et le rouge à lèvres, je l'ai déjà presque pris. Je vais faire ça dehors, c'est horrible, personne va faire ça dehors, j'imagine. Sinon là, en route, tu serais déjà en train de le manger, tu prends du pain, tu mets là, là, là. Donc voilà, la vidéo est terminée. Abonne-toi aussi à mon Instagram, ce serait hyper sympa. Là-bas, je poste plein de petites vidéos et de petites photos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, elle m'a vraiment plu. C'est trop bien de faire un maquillage avec des aliments, c'était ma toute première fois. Abonne-toi à la chaîne, mets plein de petits pouces bleus. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à la prochaine!